Bon, série de plusieurs vidéos. Deuxième vidéo de la série de deux vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler. Est-ce que je me suis présenté? On s'en fout. Oh. Laissez ça. Laissez ça. Appelez-moi juste la légende. Voilà. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez de mon nouveau nom. La légende. Je suis une légende. Je suis une légende. Je sais que mes ennemis sont très fâchés. Vous savez, la vie qu'elle a là, il faut croire en toi. Vous savez, il y a une personne ici en France, au-dessus de tout soupçon. Une personne qui a sorti un jour une parole contre ma vie. Et ça nous a choqués. Jusqu'à présent, on est encore choqués. Un jour, j'étais avec ma maman, en face de cette personne. Et puis, on réglait un petit différend. Un petit différend. Et cette personne-là qui regarde ma maman et qui dit à ma maman, Sylvie, elle fait comme ça. Sylvie, ta fille-là, elle ne va jamais rien devenir ici en France. C'est sorti comme ça. Et quand elle a sorti ça, elle s'est rendue compte qu'elle avait sorti un calibre lourd. Et puis tout le monde s'est retenu pour la regarder. Elle a essayé de se rattraper. On dit non, non, non. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez, les gens sont là. Et puis, ils nous maudissent. D'accord? Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Moi, je n'avais pas Jésus avant. Donc, les gens ont réussi à me retarder et à me malmener. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus en 2018, eux-mêmes, ils sont mélangés. Retour à l'envoyeur là. Retour à l'envoyeur là. Ils ne se retrouvent pas. C'est Dieu qui a le dernier mot sur moi, ma vie. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être humain. Mais pour ce faire là, il faut que tu marches dans une vie de sainteté. Jésus dit, soyez saints. Dieu, il dit, soyez saints. Car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Ça, c'est un verset de ta Bible. On va parler aujourd'hui des faux ongles, des faux cils, de la communauté africaine qui aime faux ongles et puis faux cils. Ces deux abonnés, deux mind men, ils sont en train de pleurer dans mes oreilles. Il y a mon ami Patrick, c'est un entier à qui je fais un gros bisou. Patrick m'envoie, il dit, ange, je suis dans les transports en commun, matin, midi, soir. Chaque fois que je vois faux ongles, faux cils, c'est les Africaines. Les blanches là, elles sont simples. Simples. Quand j'ai regardé un jour Céline Dion. Céline Dion, je l'aimais beaucoup avant, quand je suis dans le monde, je l'aimais beaucoup avant. Mais c'est une femme, tu ne vas pas la voir, faux cils, faux ongles. Excusez-moi. Tu ne vas pas la voir avec faux cils, faux ongles. Céline Dion. De grandes stars. Aujourd'hui, dans la communauté africaine, il n'y a que ça. Il y a un abonné qui m'a envoyé un TikTok là même. On dit maintenant, on vend silicone pour avoir des seins pointus. C'est-à-dire que ça dit quoi? Les hommes, faites attention, hein? Les femmes que vous voyez là, faites attention. Faites attention. Vous les draguez, vous savez même pas qui c'est. Faites attention. C'est quand vous êtes en face maintenant d'elle, vrai, vrai là, c'est là que vous vous rendez compte que c'est pas tout est faux sur elle. On dit maintenant, on met silicone pour avoir seins pointus. Pour avoir seins pointus, on met silicone. Vous les voyez avec les grosses fesses là. C'est silicone qui est dans les fesses. Ce n'est pas leurs vraies fesses. Il y en a, c'est BBL. Il y en a, il y en a même qui font BBL et puis elles mettent encore la prothèse. Et puis vous, quand vous les voyez, vous tremblez. Faux cils et puis faux ongles là, ça répond à quel besoin même? Je veux comprendre. Il y a une abonnée qui m'a écrit un jour. Elle dit, ah, ange. Excusez-moi. Elle dit, ah ange, tu ne mets jamais de vernis à ongles. C'est pourquoi? Parce que tu mets rouge à lèvres, tu me dis que c'est un péché. Il dit non. Moi, je suis dans la restauration. On n'a qu'à mettre restauration même de côté. En fait, je n'aime pas les vernis. Pourquoi? Quand je mets les vernis, je les mets transparents. Pourquoi je n'aime pas les vernis? Parce qu'à chaque fois, ça s'écaille. Ça, voilà. Et puis, chaque fois, il faut nettoyer. Quand tu ne nettoies pas, c'est cassé, cassé. Puis, tu fais à manger avec ça. C'est pour ça que j'ai du mal à manger la nourriture des femmes africaines.
Parce que le vernis là, c'est cassé, cassé. Et elle prépare avec. Donc souvent, les morceaux de vernis là se mélangent dans la nourriture. Moi, c'est ça, je n'aime pas manger votre nourriture. Ça va, ça, quand moi je suis dans la restauration, je ne mets pas de vernis. Et puis au-delà de ça, moi, je fais mon ménage tout le temps, je nettoie tout le temps. Donc franchement, vernis là, ça ne passe pas. Quand j'ai une réception, j'ai un mariage, j'ai une sortie, j'ai une représentation, je prends ma lime là, je lime mes ongles, je mets un petit vernis rouge, simple, discret, mais les faux ongles, vous ne me verrez jamais avec faux ongles. Depuis Abidjan, je ne mets pas faux ongles. J'ai essayé de mettre faux ongles une fois à Abidjan, j'ai regretté. J'ai regretté. Jusqu'à aujourd'hui. Les cils même, je ne sais pas. Aujourd'hui encore, on a des mascaras qui super volume. Ça donne du volume. C'est très beau. À Sephora, on a des mascaras qui donnent du volume. Pourquoi vous ne les utilisez pas? Hein? Oh là là. Vous mettez des cils. Vos cils là même, ça balaie le deuxième ciel. Tous les petits démons qui sont collés au deuxième ciel là, vous les remuez comme ça. Ils sont en train de nous faire mal maintenant. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Vos maris, vos hommes, oh, il y a quoi ici là? Vos hommes disent qu'ils n'en peuvent plus. Il y a un petit truc ici là. Oh. Vos hommes disent qu'ils n'en peuvent plus. A fait de faux cils et de faux ongles dans la communauté. Mais c'est pas bon, hein? Mais c'est pas bon. Ça fait peur. Faux cils et puis faux ongles dans la communauté. Voici maman, madame, voici ça. Bon, quand tu finis de mettre maintenant faux cils, tu peux même pas faire ton ménage. Tu peux pas faire ton ménage. Et aujourd'hui, vos esclaves que vous avez en Afrique, que vous appelez servantes là, vos aides de maison que vous avez, que vous tenez en captivité là, elles sont en train de faire ça propre pour vous donner. Parce que avec ça là, tu peux pas laver fou. C'est à cause de ça que tu vas aller dans la plupart des foyers africains. Surtout ici à la diaspora. Parce que encore en Afrique, vous avez des esclaves qui vous donnent un coup de main. Donc, ça ne se sent pas trop. Mais ici là, elles ont l'argent pour aller prendre aide de maison. Donc, elles ne peuvent pas laver elles-mêmes leur fou. Tu vas arriver ici à la diaspora, il faut aller voir dans la cuisine des femmes africaines. Là. Tu as envie de vomir. Fou, les sales. Elle a fini de griller ses capes des Chinois. Là. Les capes des Chines. Là. Elle a fini de faire ça au fou. Là. Elle ne peut pas laver fou. Elle a faux ongles. Elle a faux ongles. Bâche. C'est ma vidéo. Je fais ce que je veux. Elle a faux ongles. Elle ne peut pas laver fou. Elle ne peut pas laver fou. Et attends, qui mange même votre nourriture, la mère, vos faux ongles là? Qui mange ça? Moi. Moi. Voici cils maintenant. Vous ne pouvez même pas vous assumer. Vous ne vous assumez même pas. Vous ne vous assumez même pas. Moi, je sors sans maquillage. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont esclaves du maquillage. Elles ne peuvent même pas sortir, aller s'acheter une baguette de pain à 200 mètres sans maquillage. Elles ne peuvent pas. La dernière fois, maman m'a donné un nouveau morceau de pagne. Donc, j'attache mon pagne à l'africaine. J'attache ça comme ça. Je mets un petit cycliste en bas, puis j'attache ça comme ça. Puis, je mets une petite chemise dessus, puis je vais acheter. Je sors. Eh mon pagne, avec mes sandales, comme il fait un peu beau. Je sors avec mes sandales. Si, si. J'ai sorti. Je suis allée très, très, très loin. Et il y a deux abonnés qui m'ont rencontré. Nasta! C'est comment tu es simple? Attends, t'as pas de quoi? Sandales? T'as touché pagne? J'ai dit, mais le pagne, c'est mon identité culturelle. Vous voyez pas les Indiens quand ils portent les trucs là? Est-ce que on leur dit pourquoi ils ont porté? Vous voyez pas les Indiens dans les rues, souvent ils attachent les pagnes là. Est-ce qu'on leur dit pourquoi ils ont attaché les pagnes? Donc j'ai attaché mon pagne. C'est pas un pagne délavé, il n'est pas délabré, il n'est pas déchiré. C'était un pagne tout neuf. En fait, elles étaient en admiration en fait. Vous pensez que vous allez venir me stresser? Vous n'allez pas me stresser. Moi c'est no stress. Il y a une de mes grandes soeurs la dernière fois qui me dit, non, il faut faire attention à ton image, tu as fait la vidéo de cuisine, mais pourquoi tu ne t'es pas apprêtée? Je lui ai dit, mais
je ne m'apprêterai pas. Voilà. Et bizarrement, la vidéo même a fait plus de vues. Dans mon, je ne suis pas apprêtée là. Ma vidéo de cuisine là. Il faut apprendre à être vrai avec les gens. Pourquoi toujours même, pourquoi toujours mentir aux gens même? Pourquoi vous ne vous assumez pas? Pourquoi on ne peut pas être naturel? Quand je viens me mettre devant vous là, vous me voyez, je suis maquillée comment? C'est très léger. Là, au-delà, je ne suis pas maquillée. J'ai mis juste un petit truc là. Oh, j'ai pas de problème même. Est-ce que je suis née à maquillage? Je suis née à maquillage? Celui qui n'a pas envie de m'accepter comme ça, ça c'est lui qui voit. Vous n'allez pas me mettre dans un moule. Vos influenceurs là, si vous voulez aller regarder habillement, hein, faux style, faux ongles, vous savez où les trouver. Vous savez où les trouver. Moi, vous ne me mettrez aucune pression. Sinon, je sais comment on fait tout ça là. Hein. Vos influenceurs, tout ce spectacle qu'elles vous offrent là, je sais comment on fait. Est-ce que vous là, vous me connaissez même? Seigneur. En fait, c'est pas pour moi, ça, c'est pas la vie. C'est pas ça, la vie. C'est du pipeau. Ça, c'est du mensonge. Aujourd'hui, vos hommes ne vous supportent plus. Mais je suis messieurs, votre... vous n'avez pas chaud. Vous qui êtes en Afrique, là, vous êtes dans un pays de chaleur. Vous n'avez pas chaud. Mesdames, vous n'avez pas chaud. Dieu nous a créés avec des beaux cheveux crépus. Pourquoi on ne les valorise pas et puis toujours on a des mèches lisses? C'est pas, franchement, je sais pas. Faites-vous des tresses. Les tresses, c'est africain. Pourquoi vous ne vous assumez pas? Fossile, matin, midi, soir, femme de pasteur, même fossile, faux ongle. Femme de pasteur, même ne peut pas se présenter en public sans fossile, faux ongle, tant qu'à faire. Tu vois les chantes, nos chantes là, tu les vois même, on dirait des démons. Elles sont à la chair, mais elles sont maquillées, on dirait elles vont en boîte de nuit. Mais je ne sais pas c'est quoi cette communauté. Il n'y a pas un côté qui va rattraper l'autre. Si ce n'est pas fait sans silicone, c'est maintenant pour avoir Saint pointu. Si ce n'est pas ça, c'est pour mettre... Il a dit, il y a une qui m'a rencontré, j'ai rencontré une fois dans les transports en commun. Il a dit, une mine woman, elle était sa fille. Quand elle m'a vue, oh ma star, j'ai dit, j'ai eu honte comme ça. J'ai dit, ça c'est qui ça encore? Il dit, André, un démon, tout droit sorti des profondeurs de l'enfer. S'il, c'est épais, et puis ça fait une courbe. Il a dit, la courbe là, ça arrive ici. André un démon. Il a dit, elle a pris rouge à lèvres là. Elle a mis comme ça, pourquoi? Sa bouche, André un cancer. Quand on est en train d'opérer. Maintenant, les ongles. Il a dit, les ongles. Elle a mis ici la orange. Après, ici, elle a mis blanc, vert. Après, elle a mis autre couleur ici. J'ai dit, si tu... Et puis, elle a mis des paillettes dessus. Puis, tu vois, c'est bombé comme ça. Et puis, c'est long. Mais comment vous faites vos toilettes intimes? C'est à cause de ça que vous sentez vos maris ne peuvent plus coucher avec vous. Parce que tu te nettoies comment? Tu cuisines avec quoi? Comment vous faites même? Comment tu caresses ton mari? L'homme qui partage ta vie là, comment tu le caresses avec les en fait, tu le grattes quoi? Niabé? Okobayino? Les bêtes disent Okobayino? Qui vient à mon secours? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est quoi cette communauté pathétique? Un jour, ma patronne du 10e me disait ceci parce qu'on habitait, on travaillait à. J'ai travaillé à notre château d'eau. Donc, elle me regarde, elle dit, mais nounou, toi-même, tu viens d'où même? Elle m'a demandé si j'ai été adoptée. Il a dit, oh, maman d'amour, toi aussi, tu te fous de moi. Avec cet accent-là, j'ai été adoptée. Elle dit, non, mais comment tu es? Tu es assez spécial quand même. Votre vie, c'est que dans les apparences. Tout est dans l'apparence. Vous n'avez rien dans la tête. Votre vie, c'est que l'apparence. Toujours en train de travailler votre apparence. Au lieu de prendre des bouquins, de lire, de vous instruire, de voyager, de vous ouvrir au monde. Et puis d'éduquer vos enfants. Quand vous faites tout ça en même temps, dans l'équation, là, vos enfants sont à quel niveau?
finissez de vous, de... Ça dit que, hé hey, Seigneur, mais vous voyez, c'est pour cela que la communauté africaine va très mal. Parce que dans tout ça, les hommes sont démissionnaires. Eux, c'est même pas la peine. Eux, c'est une cause perdue. D'accord? Moi, je sais même plus ce que je veux faire pour les hommes. Encore vous, les femmes, je suis en train de faire un travail. Il y en a plein qui se ressaisissent. Mais les hommes, eux, c'est une cause perdue. Et moi, je déteste militer pour les causes perdues. Maintenant, vous, les mamans, qui avez en charge l'éducation des enfants. Oui, qu'on le veuille ou pas, c'est la maman, c'est plus la maman qui a en charge l'éducation des enfants. En quel moment, tu vois, les cils, en quel moment tu vas voir clair pour aller regarder dans le devoir des enfants? Parce que cils, quand vous mettez les mains, vous êtes en train d'abîmer votre vue. À force de mettre fossiles. Ce que je vous dis là, un jour, vous allez vous rappeler de ma vidéo. Demain, quand on va te trouver un cancer sur la rétine ou même dans quelque part là-bas, tu vas accuser ton oncle ou une maman ou une tante qui en réalité n'en a rien à cirer de ta misérable petite vie. Tu vas pas faire la relation. Tu n'as pas essayé de faire un parallèle entre les produits qu'on a pris pour coller tes ongles là et puis le cancer dont tu souffres aujourd'hui. Tu ne feras pas le rapport. Tellement tu es bête. Aujourd'hui, il y a des femmes qui peuvent même plus ne plus mettre les faux ongles parce que les ongles ont abîmé leurs vrais ongles. Vous savez, Dieu, il n'est pas bête. Hein? La lumière du soleil là, ça frappe les ongles. Donc, ça fait que nos ongles ont besoin de la lumière du soleil. Et comme tes ongles sont constamment camouflés sous une prothèse, mais du coup, vos ongles pourrissent. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des ongles qui sont tout pourris. Elles sont devenues maintenant esclaves des faux ongles. Il y en a ces tatouages. Elles ont grasé tout ici. Et puis, elles ont fait un tatouage. Hey, Seigneur Jésus. C'est même pas joli. En fait, le pire, c'est que c'est pas joli. Pour moi, c'est pas beau. Vous n'êtes même pas jolie. Vous n'êtes pas belle, les filles. Mes soeurs, tu les vois sur les plateaux télé. Vous n'êtes pas jolie. Regardez l'animatrice Connie Touré. Comment moi je la trouve aujourd'hui sublime. Je la trouve même plus belle qu'avant. Quand elle mettait ses faux cils, ses faux ongles là. Aujourd'hui, elle s'est voilée. Encore le voile. Bon, je ne vois pas trop l'utilité. Mais tu la vois, elle est sobre. La femme, elle est sobre. Et puis sa sobriété la plaît. Et puis elle est belle. Et puis elle a eu bon mari, malgré ça. C'est son mari même qui l'a mis dans ça. Elle a eu un bon mari. Vous mettez tout ça là même là. Vous avez des truands dans vos vies. Vous mettez ça là, vos maris vous trompent. C'est à croire que, en fait c'est, vous le faites même pourquoi finalement? C'est une souffrance. Série de 3 vidéos. Moi je prie pour vous, je vous porte beaucoup en prière. Hein, parce que vous êtes possédés. Et je ne dis pas ça pour rigoler. Je suis sûr que c'est une possession démoniaque. Les Africains, vous êtes possédés. Alors, les Afro-Américaines, elles-mêmes, c'est notre level. Elles, ça vient de là-bas. Fossile, là, ça vient de la communauté afro-américaine. C'est elles-là, vous avez copié. Mais comme vous, les Africains, vous copiez mal, vous avez dépassé même le niveau. Vous n'avez pas copié bonne chose. Les bibliothèques sont ouvertes. Hein. J'ai lancé Kaling Lecture. Ma chérie, tu as déjà lu combien de livres?